Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Cave de Papy, un épisode un petit peu spécial paraît-il, mais toujours en bonne compagnie. Ce soir, on va débriefer la phase aller du Racing Club de Strasbourg cette saison. Je commence les présentations par Racing Scope, l'homme qui ne connaît pas l'impossible. Comment tu vas, Racing Scope? Eh ben écoute, ça va très très bien ce soir. Je suis très content de faire cette émission. Et toi d'ailleurs, comment tu vas? Parce qu'on ne pose jamais la question. On ne pose jamais la question, et ça va très bien. On a également convié le folklorique Cyril pour parler avec nous. Tout va bien, Cyril? Ouais, ça va. Et chez vous? Enfin, bonsoir à tous, hein, déjà. Bonsoir au chat. Bonsoir à tout le monde. Mais moi, ça va très 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 bien. On ne pouvait pas faire cette émission exceptionnelle sans le père fondateur du collectif. Bonsoir, Sam. Salut Guillaume, salut tout le monde. J'espère que vous avez tous passé des bonnes fêtes. Hein. Merci les gars d'être présents ce soir pour cette émission. Ça fait super plaisir. On a également parmi nous Thomas, le doyen des chroniqueurs, 45 ans et toutes ses dents. Bonsoir Thomas. Salut Guillaume, salut à tous. Bon, ça va très bien. Je suis très content de passer l'émission. Voilà, on va essayer de garder toutes ses dents jusqu'à la fin de l'émission. Et petit big up aussi à Flo qui s'occupe du live tweet et Steve de la régie et toute la partie technique. Vous êtes des cracks les gars, bise sur vos fesses. Mais qui dit émission exceptionnelle dit invité exceptionnel. Et pour la première fois dans la jeune histoire de la cave, nous avons l'immense privilège d'accueillir un joueur et homme fort du Racing. Bonsoir Ibou, première question, est-ce que tout va pour le mieux? Bonsoir, bonsoir à vous, ça va très bien, merci. J'espère que vous aussi vous allez bien. Très très bien. Ouais. Tout va bien, tout va bien. Bah écoute, nous ça va, ouais, effectivement. J'en profite juste, Guillaume, tu m'arrêteras pas parce que c'était prévu dans le conducteur, donc tu vas pas m'arrêter. Pour remercier déjà Ibou de ta présence, même si on l'a déjà fait, ça me fait encore plus à moi plaisir. Et surtout remercier le Racing Club de Strasbourg et Jean-François Termoz, avec qui on a beaucoup échangé pour créer cette émission. Voilà, je le remercie d'avoir rendu ça possible. Ouais, tout à fait normal. Merci à vous d'avoir pensé à moi aussi. Je suis très content d'être là. Et j'espère qu'on va passer une très belle émission ensemble. Ce sera une très bonne discussion en tout cas. C'est ça. On va commencer, sur votre écran va s'afficher le programme de la soirée. Donc on commencera un peu par les questions un peu personnelles, on débattra ensuite sur un peu plus de collectif, sur les vestiaires, et puis voilà, tout va très bien se passer. Et juste pour commencer, Ibou, la trêve s'est terminée hier. Comment s'est passée la reprise? Très bien passé, on est en protocole Covid un peu, comme on est tous partis à gauche, à droite. On était en protocole Covid hier, aujourd'hui on a repris ensemble, ça se passe plutôt bien. On remet la machine en route pour commencer la deuxième partie de saison. Ouais, alors toi justement, ça fait ta quatrième saison au club, là maintenant je pense que tu commences à être habitué, mais justement, comment tu définis ton rôle au sein du vestiaire? Est-ce que tu es plus quelqu'un de leader ou quand même en retrait? Enfin, comment tu définirais ça, toi? Non, je ne me considère pas forcément comme un leader, mais voilà, je fais pas forcément des parties des plus anciens, mais vu que je fais partie des joueurs qui ont quand même un temps de jeu conséquent, voilà, je suis bien dans l'équipe, je m'entends bien avec tout le monde. Après, je ne fais pas partie des plus vieux, qui va parler le plus. Non, moi, je suis tranquille, je parle avec tout le monde. Pas forcément qui fait la bascule entre, par exemple, le coach et les joueurs quand il y a des choses à dire ou entre le club et les autres joueurs. Moi, je suis là, je suis à l'écoute de tout le monde et je fais toujours partie des jeunes quand même si je suis un peu plus vieux aujourd'hui. Mais je suis bien en marche, je trouve. Eh ben parfait. Ouais, et au niveau de... Alors récemment, t'as entendu dire, répondre au micro de Amazon Prime ou Canal+, je sais plus, tu disais on est ambitieux, pas prétentieux. Du coup, est-ce qu'une place européenne est fortement dans votre esprit, dans l'esprit du groupe ou dans ton esprit à toi? Fortement, non, parce que ce serait pas abusé, mais voilà quoi. On va pas dire qu'on y pense. Nous, on pense surtout à prendre les 41, 40 points le plus tôt possible et après voir ce qui peut se passer ou ce qui peut ne pas se passer. Mais pour le moment, on ne va pas dire qu'on y pense dès maintenant parce que ce n'est pas notre premier objectif au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas le plus important, on va dire tout de suite. On pense d'abord à continuer à faire ce qu'on fait le mieux en ce moment, à bien jouer au football, à prendre le maximum de points le plus rapidement possible pour... voilà, par la suite, pourquoi pas, on ne sait jamais ce qui se passe, envisager
envisager un classement le plus haut possible. Mais voilà, on joue au football pour jouer, être toujours en haut et faire le meilleur possible. Et on verra bien comment ça se passe. Et sur un plan personnel, tu es en train de proposer ta meilleure saison depuis que tu es au club. Tu as déjà 4 passes décisives. C'est plus que depuis tes débuts. C'est quoi la recette magique ? Ah, la recette magique, c'est, on va dire, reprendre confiance en soi, retravailler plus dans les domaines qui me faisaient défaut, travailler encore plus, voilà, reprendre confiance en soi, travailler plus sur les choses qui me faisaient défaut, avoir une complémentarité encore plus avec les autres joueurs aussi, bien s'entendre sur le terrain, savoir exactement ce que je dois faire au moment précis sur toutes les parties du terrain. Voilà, et montrer que j'ai largement le niveau dans cette équipe et être décisif aussi, ça fait partie de ma progression, quoi. Parce que statistiquement, du coup, j'ai un peu passé au peigne fin tes différentes saisons au club et on voit qu'effectivement, là où tu performais plus défensivement les saisons précédentes, là, on te sent beaucoup plus libéré offensivement. Et ça se voit dans les chiffres qu'on va afficher, que tu as déjà pu voir avant l'émission, je pense. Donc, je l'ai envoyé. Que... Oui, j'ai vu. Ouais, c'est vrai que cette année, offensivement, je suis un peu plus à l'aise, on va dire. Les années précédentes étaient un peu plus défensivement qu'il fallait que je travaille beaucoup plus. Après, c'était une autre façon de jouer aussi. On n'avait pas la même façon de jouer. Là, ça change. Donc, je suis un peu plus sur le terrain. Donc j'ai plus l'occasion de créer des choses, de faire des passes ou de pourquoi pas tenter ma chance de temps en temps. Mais c'est vrai que là c'est un peu plus facile pour moi d'être vraiment offensif en étant plus haut sur le terrain, quoi. Rester sur ta progression, Hugo, quel match t'as servi de détonateur cette saison, un match qui t'aurait vraiment mis vraiment en pleine possession de tes moyens sportifs, mentalement, celui qui a vraiment lancé ta saison, on va dire. On va dire celui de Montpellier et de Saint-Etienne, mais je pense surtout celui de Saint-Etienne. Ouais. Mais même celui de Montpellier, c'était pas mal. Mais c'est vrai que ma rentrée aussi face à Lille, quand je marque, je me dis que ouais, je peux moi aussi marquer des buts, je peux créer des choses, je peux faire des choses... pour l'équipe. Donc je pense que ces trois matchs-là qui ont suivi un peu. Après, il y a le match de Lens, mais bon, c'était un match un peu compliqué. Mais voilà, ces trois matchs-là, c'était vraiment des bons matchs, quoi, pour moi, individuellement, quoi. Sache, ton but contre Lille, il est absolument incroyable, hein. C'est une frappe, j'aurais pas aimé être gardien. C'est vrai que voilà, je suis surpris d'avoir la balle, mais quand on est dans la surface, faut pas être vraiment surpris. Donc, j'ai tenté ma chance et voilà, ça allait au fond. Et tant mieux pour nous, même si on n'a pas eu le résultat qu'on voulait à la fin. C'est ça qui est dommage, en fait, sur ce match. Il y a aussi des avant-dernières passes décisives. Je ne sais pas si tu les as comptabilisées aussi de ton côté. Notamment à Montpellier, le match dont tu viens de nous parler, où t'es à l'avant-dernière passe D. Oui, c'est vrai. Oui, ça compte, parce que moi, du moment que je participe à l'action, que ce soit un appel qui ouvre l'espace pour un autre joueur ou l'avant-dernière passe, mais voilà, faire partie intégrante du but qui va nous faire marquer, quoi. Je suis toujours très content. D'accord. Bah justement, en début de saison, tu as joué quelques matchs en défenseur central. Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté, peut-être, tout simplement en termes d'expérience ou quoi ? Et aussi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Comment tu t'es senti à ce poste-là ? Bah, je pense que ouais, j'arrivais à voir les déplacements des attaquants. C'est vrai que quand tu es derrière, tu as vraiment le jeu devant toi, tu vois vraiment tout. Voilà, j'arrivais de temps en temps à me projeter aussi avec le ballon. Après, vraiment, ça je pense que j'ai détesté, mais j'ai bien aimé quand même, parce que ça a changé. Ça a changé un peu ma façon de jouer aussi, d'être derrière. Après, voilà, c'était une bonne expérience qui va me servir tout au long de ma carrière, j'espère. Et voilà, au moins, je sais qu'aujourd'hui, si jamais
l'avenir fait que je dois repasser derrière, je peux le faire, mais je dois encore m'améliorer sur beaucoup de points. Parce que voilà, c'est vrai que le match à 3, par exemple, où le mec il part dans mon dos et je fais pas attention, on voit que j'ai pas vraiment l'habitude de chute, quoi. Okay. Ah ouais. C'est incroyable, en tout cas, j'avais, avant de passer à la question suivante, j'avais juste une remarque à faire. Tu parles vraiment super bien, quoi. T'es posé et tout, c'est fou. Franchement, c'est fou. Moi, ouais, je vous ai dit, les gars, après, t'as grave préparé l'émission. Sérieusement, je suis plutôt à l'aise parce que voilà, vous m'avez mis à l'aise, vous m'avez bien accueilli, donc ça me fait plaisir. Donc je parle comme si j'étais avec mes potes tranquillement, quoi. Il n'y a pas de souci. Ça fait plaisir, en tout cas. C'est l'ambiance de la capitale. Ah bah tant mieux alors. Non, j'aimerais juste rebondir vite fait sur cet intérim, Ibou. C'est dans l'effectif, il y a Anthony Cassie qui avait aussi connu ça, c'est d'être formé milieu de terrain et ensuite de faire un intérimaire en défense jusqu'à y être installé définitivement. Donc, est-ce que lui, malgré son jeune âge, a pu te donner des conseils sur comment appréhender ce changement de poste? On va dire c'est plus Alex et Alex Djikou. Max n'était pas encore là, mais avec qui, Alex Djikou, Lucas, enfin les habitués de la défense qui m'ont assez souvent parlé pour me mettre en confiance derrière. Le coach aussi m'a beaucoup parlé parce que lui il croit vraiment beaucoup en moi quand je jouais derrière. Il croit vraiment beaucoup en moi. Il pense vraiment que j'ai la capacité de jouer derrière aussi. Donc ouais, ça me fait plaisir d'être tout le monde me mettait en confiance sur le terrain même si c'était pas mon poste et moi j'essayais de donner le meilleur de moi-même. Alors, prendre la confiance qu'on me donne. Ta première partie de saison, elle est déjà folle, mais du coup, c'est quoi, toi, personnellement, tes objectifs pour la deuxième partie de saison et plus globalement la suite? Ah ben moi, ça serait toujours de faire mieux, hein, faire mieux, encore plus de stats, le plus de stats possible encore, même si on va pas dire que c'est ça le plus important, mais voilà, faire des bons matchs, être là où il faut pour l'équipe, vraiment m'améliorer sur encore certains mouvements offensifs, être plus propre techniquement aussi. À des moments, je trouve que je perds des ballons un peu faciles. Être plus propre techniquement et jouer aussi le maximum de matchs possible parce qu'il y a une forte concurrence au milieu quand même cette année. Jouer le maximum de matchs et voilà, tout faire pour continuer ainsi et continuer à travailler pour monter le club le plus haut possible. Et la concurrence, justement, je rebondis juste là-dessus. Comment tu la gères au quotidien? Comment ça se passe aux entraînements ou même à l'annonce des feuilles de match, par exemple? Bah, moi, on le vit plutôt bien. On sait qu'il y a de la concurrence. Le coach nous l'a dit. Après, c'est au coach de faire les choix et on accepte les choix du coach. Hein. De toute façon, c'est comme ça. C'est le football. Hein. Il n'y a pas de souci à se faire. Après, je pense qu'on s'améliore avec une forte concurrence. On s'améliore tous. On s'améliore vraiment tous et c'est ça aussi qui est bien pour l'équipe. Alors justement, en parlant de la concurrence, on la voit surtout devant et puis l'arrivée de Kevin Gamero dans cet été qui a fait plaisir, le retour qui a fait plaisir à tous les supporters du Racing. Et Gamero, on sait, il est fort de 4 Coupes d'Europe qu'il a gagné, avec, que ce soit avec Séville ou avec Valence. Et moi, je voulais te demander, qu'est-ce que vous apporte un joueur d'expérience comme Kevin Gamero, alors autant sur le plan sportif qu'en dehors? Mais il nous apporte toute sa maturité, voilà, et on sait qu'il a joué de très grands matchs. Il nous apporte aussi sa sérénité sur le terrain. Il est toujours serein, toujours propre techniquement. On sait que quand on lui fait la passe, je pense que tous nos attaquants, ils sont comme ça. Quand on leur fait la passe, ils savent vraiment très bien jouer avec. Il est très très bon dans les petits espaces aussi. Voilà, il peut tout faire, je pense, devant. Même si cette année, il n'est pas suffisamment en réussite, je trouve, depuis le début, qu'il va faire mieux encore sur la deuxième partie de saison. Il pourra mettre encore plus de buts, nous aider à monter le Racing le plus haut possible, comme je l'ai dit, et à continuer ainsi, quoi. Et au niveau de l'intégration, ça s'est passé comment? Parce que pour lui, ça a dû être naturel, vu comme oui, ça se bah oui, c'était tout à fait normal pour lui. C'était comme s'il a toujours été là, j'ai l'impression. Il a toujours été là, c'est sa maison ici. Hein. Il connaissait déjà beaucoup de monde, dans tout le club, il connaissait déjà. Après, ça a été fait naturellement, sans aucun souci. Je pense que tous les joueurs qui sont arrivés, ça a été fait naturellement.
on n'a pas l'impression qu'ils viennent d'arriver ou qu'ils... Voilà, c'est assez naturel dans l'intégration de tous nos recrues, en fait. Bah, ouais, on sent vraiment que c'est un vrai groupe de copains. Le collectif est bien huilé, tout le monde s'entend bien, tout le monde rigole ensemble. Et on sent vraiment que, voilà, que le groupe vit bien. L'adage est désormais très connu en France, en tout cas. Donc ouais, ça permet aussi de passer à la deuxième partie autour du vestiaire, du club et surtout de l'aspect collectif. Et Thomas qui va ouvrir le bal. Ouais, Ibou, en fait, on voulait voir avec toi. On sait qu'à Strasbourg, au Racing, on a souvent été... spectateurs, on regardait un petit peu comment les autres jouaient, on s'adaptait un peu en fonction des gens, en fonction des équipes, pardon. Et cette saison, ce qu'on a constaté avec Julien Stéphan, c'est qu'il y a un schéma de jeu, il y a une idée de jeu, même, on peut dire, et elle ne varie pas énormément. Ouais. Donc, nous, ce qu'on se demandait, c'est comment vous vous adaptez, comment vous travaillez l'animation, en fait, pour gêner les adversaires, sachant que l'adversaire sait à peu près comment vous allez jouer. Bah, depuis que le coach est arrivé, on a travaillé sur un certain plan de jeu, sur un certain nombre de plans de jeu. Voilà, les ressorties de balles, repartir de derrière. Voilà, il nous a ramené ça cette année. Après, nous, on travaille beaucoup à la vidéo aussi. Le coach fait beaucoup de vidéos sur les adversaires, leurs faiblesses, leurs forces. Mais il change vraiment jamais de sa vision de jeu. Donc, il est très, très, ben, il est, très conscient de comment on joue et voilà, en plus ça marche plutôt bien, donc je vois pas pourquoi ça devrait changer. Après, c'est vrai que les adversaires, des fois, ils s'adaptent à nous, mais après, à nous de trouver une autre solution, pas vraiment en s'adaptant, en changeant complètement notre jeu, mais trouver les failles qu'il faut, là où il faut, de temps en temps, quand les adversaires arrivent à nous bloquer sur certaines phases offensives, quoi, ou défensivement aussi. En tout cas, on sent que c'est un système qui te plaît beaucoup à toi, parce qu'on ouais. On te voit évoluer assez librement, t'as pu faire des trucs assez ouf. Moi, j'ai une action en tête à Nantes, je pense que tu vois de laquelle on parle, ouais. Où tu me fais une espèce de, je sais pas ce qui s'est passé, hein, mais t'es parti à droite en chevauché, tu me fais une passe aveugle. Pour Thomas, si Thomas on marche, je pense que vous êtes dans le top 10 de l'année. Donc ouais, on sent que tu prends beaucoup de plaisir. Oui, c'est sûr. Oui. C'est sûr que c'est une composition que j'apprécie parce que voilà, je suis après au milieu, il nous met avec 2-8, 1-6. Des fois, ça peut changer, mais ouais, je suis plutôt à l'aise en 8 en étant plus haut, en travaillant vraiment dans l'axe. En n'allant pas trop aller chercher les latéraux, ça, c'est pas ce que je préfère le plus, mais même si des fois je dois le faire, ça, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que là, c'est là où je m'épanouis le plus, on va dire, c'est pour le moment. C'est là où je m'épanouis le plus et c'est très bien. J'espère que ça va continuer comme ça. Mais si jamais le système doit changer, c'est à moi de m'adapter aussi. À moi de m'adapter pour que je sois toujours aussi performant, quel que soit le poste auquel je joue, quoi. Ouais, mais les stats que tu as cette saison parlent pour toi, en fait. Donc, Oui, c'est sûr. C'est vrai que voilà, je suis plus à l'aise, on va dire. Je suis plus à l'aise en étant... En milieu 8, relayeur, en me projetant souvent dans la surface adverse. C'est ce que le coach veut aussi, que des milieux qui se projettent beaucoup. Il y a de l'espace, il y a vraiment beaucoup d'espace des fois. Et voilà, j'y arrive et il faut continuer ainsi. Et on verra bien comment ça se passe par la suite encore. Ok. Ouais. Alors, on est sur une grosse saison. Là, on en parlera un petit peu après avec Scop, qui aura une question là-dessus. Par contre, il y a quelque chose là qui vient d'arriver et qui pourrait peut-être changer les choses, c'est le retour des jauges. Alors, l'an dernier, le Racing avait fini 18e sur les matchs à domicile. Beaucoup avaient dit que c'était notamment lié au fait que bah voilà, les matchs étaient à huis clos, etc. Avec le retour des jauges là cette saison, dans quelle mesure tu penses que ça pourrait impacter la deuxième partie de saison? Ah, je pense que nos supporters, c'est vraiment notre 12e homme cette année à la maison, hein, pas se mentir, ils nous ont vraiment beaucoup poussé. Ils nous ont vraiment beaucoup poussé, ça va vraiment nous manquer dans ces quelques temps. J'espère que ça durera pas très longtemps. Mais après, c'est à nous de faire les choses, continuer à être toujours aussi bon offensivement que défensivement jusqu'au retour des supporters, on va dire. Parce que là, pour l'instant, on est plutôt bien, on fait plutôt une bonne saison. Mais voilà, faut pas tout négliger, même s'il y a que 5000 supporters. À la maison pendant les prochains matchs.
faudra faire avec, on n'a pas le choix, on sait très bien. L'année dernière, ça n'a pas été facile. Là, on s'est habitué à avoir le stade plein tout le temps à la maison. Ça faisait du bien de revoir les supporters, mais comme je dis, faudra faire avec, on n'a pas le choix. Faut pas que ça nous impacte tant que ça, parce que ça pourra jouer sur nos performances. Et après, voilà, on n'a pas envie de dégringoler en bas, refaire une saison comme on a fait l'année dernière. C'est pas ce qu'on a envie de faire, quoi. Ouais, la dynamique est différente dans tous les cas. Ouais. D'un point de vue personnel, Ibou, ça fait, on l'a dit, 4 ans, c'est ta quatrième saison au club, donc tu connais un petit peu maintenant le public de la Méno, tu sais qu'il est fervent, que c'est ouais. peut-être un des meilleurs publics de France. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu rentres sur le terrain, tu as encore des frissons, quand tu vois cette ferveur, ce bruit qu'il y a déjà pour l'échauffement, ou est-ce que tu trouves ça, t'as banalisé la chose ? Ah non, je vais jamais banaliser ça. C'est toujours impressionnant de jouer devant 25 000 supporters qui chantent tout au long du match. Ça fait toujours plaisir. Nous soutenir quand ça va un peu plus mal. Nous pousser quand ça va bien. Quand faut pousser. Quand faut jouer. Mais c'est vrai que voilà, jouer devant autant de supporters, c'est toujours aussi intense, c'est toujours aussi bien, quoi. Ah ouais, après vous... Vas-y. Non, mais c'était à toi, je disais juste merci pour sa réponse, en fait, c'est tout. Ah, tu disais merci, bah c'est bien, t'es très poli, Cyril, c'est cool. Ouais, mais ouais, du coup, on disait voilà, qu'il y a eu une première partie de saison à domicile qui était folle. À l'extérieur, on était plutôt bons aussi, donc ce qui fait que voilà, c'est la meilleure première partie de saison du club au XXIe siècle. D'ailleurs, je crois que c'est le cas. Est-ce que en début de saison, vous pensiez être aussi haut à ce moment-là, honnêtement ? Honnêtement, non. Après, on se faisait pas de classement fixe, on va dire à la mi-saison. Nous, c'était par tranche de match, on se fixait des objectifs par 3-4 matchs. Ça dépendait des périodes. Après, on est heureux de là où on est. Après, on produit quand même un bon football, on va dire, en ce moment, un bon football offensif. On est très content de ce qu'on fait. Et voilà, on va pas dire qu'on est surpris, mais qu'on est content d'être là où on est. Il faut continuer pour être encore le plus haut. Il faut continuer pour être encore là où on veut être encore dans les prochains mois. Nous aussi, on est très heureux, en tout cas. Clairement, et justement, du coup, quelles ont été les méthodes du coach Julien Stéphane dès la reprise en juillet ? Parce que pour avoir une attaque aussi, un effectif, un collectif aussi huilé, mais surtout une attaque flamboyante, deuxième meilleure attaque de Ligue 1, c'est quoi les méthodes du coach ? Quels ont été ses mots dès la reprise en fin juin, début juillet ? À fin juin, début juillet, il nous a directement dit que lui, il voulait jouer, repartir de derrière, vraiment repartir proprement depuis la ligne arrière. Après, voilà, créer tout un cheminement pour arriver face au but adverse, tout en amenant un maximum de monde devant la surface adverse. Dans la surface adverse, je veux dire, excuse-moi. Vraiment, c'était porté sur l'attaque, mais on a beaucoup aussi travaillé défensivement à 10 contre 11. On a fait beaucoup de travail tactique, on va dire, pendant la pré-saison, en fait. On a fait beaucoup de travail tactique, même s'il n'y avait pas encore tout le monde. On a fait beaucoup de travail tactique tous ensemble. On a travaillé beaucoup de cheminement. Et du voilà. Du physique avec ballon aussi, tout de suite en début, ça, je pense que ça... Oui, on a fait beaucoup de ballons, donc c'est sûr, quand tu fais beaucoup de ballons dès la reprise, t'es assez content, on va dire. C'est toujours mieux que de courir sans ballon, mais bon, après, il faut passer par là pour être performant tout au long de la saison aussi. C'est vrai. Du coup, ça se ressent clairement sur le terrain. Hein. Vas-y, Scope. Ouais. Non, mais vas-y, si quelqu'un a une relance, on peut encore le faire, non ? Personne ? Non, bon, pas parfait. Parfait, ouais, on va un peu quitter le Racing le temps de la fin de l'émission. On va parler peut-être un peu plus de toi maintenant. Et on s'est connus un peu nous deux via Twitter. Et, ouais. Et j'avais une question là-dessus, je t'en ai déjà un peu parlé, mais comment toi tu utilises les réseaux sociaux ? Est-ce que tu y vas souvent ? Ou est-ce que tu regardes ça de temps en temps ? Ou alors pas du tout ? C'est comment moi, tu...
Moi, je fais de temps en temps, on va dire. De temps en temps, j'y vais, je poste quelques photos de temps en temps. Voilà, de temps en temps, je regarde. En ce moment, on va dire, j'ai assez souvent des choses positives sur moi. Mais c'est vrai que par les années précédentes, c'était un peu plus compliqué. Donc, j'y allais pas plus que ça, on va dire. Parce que vraiment, quand on voit et on se fait critiquer, on se fait insulter, même des fois, ça fait pas plaisir. Donc, j'essaye de faire attention à même à ce que je mets ou voilà ou faire attention aux commentaires, pas prendre en compte toujours tous les commentaires, on va dire aussi faire attention aux personnes qui insultent, pas leur répondre, on va dire aussi, parce que voilà, à chaud, des fois tu peux répondre à certains supporters qui eux-mêmes ont fait des tweets ou ont écrit à chaud. Donc voilà, faut faire attention à tout ça, et c'est ce que j'essaye de faire en fait. Ça, surtout que vous êtes des sportifs, mais vous êtes des humains comme nous. Je veux Oui, dire, tout le monde c'est sûr. peut faire des erreurs. Donc, du coup, je veux dire, ça ne va pas changer les choses. On ne va pas gagner 3 points parce qu'on aura insulté tout l'effectif C'est sur 18 générations. les choses. Toi, justement, vis-à-vis de la Ligue 1, etc., est-ce que tu la regardes assez souvent? Et même au-delà de ça, quel regard tu portes? Tu sais, on parle souvent de cette espèce de renouveau dans le championnat de France depuis cette saison, etc. Toi, t'en penses quoi un petit peu de tout Ouais, c'est ça? vrai que cette année, il y a un football, on va dire, un peu plus offensif cette année en Ligue 1. Enfin, j'ai l'impression, hein. C'est un football un peu plus offensif. Oui, je la regarde assez tous les week-ends. J'essaie de regarder un maximum de matchs le week-end, que ce soit Ligue 1 ou autre championnat. Ouais, c'est vrai que moi, j'aime bien le championnat de Ligue 1, quoi que les gens disent, on va dire. Quoi que les gens Ouais. disent, moi, j'aime bien le championnat de Ligue 1. Après, c'est vrai, il y a toujours des matchs un peu moins bien, mais bon. Quand les supporters regardent leur équipe, ils regardent leur équipe, c'est normal qu'ils soutiennent. Mais c'est vrai que le championnat cette année, il a beaucoup évolué. Et c'est tant mieux pour nous, tant mieux pour les supporters, tant mieux pour tout le monde. Mais il faut continuer encore à améliorer le championnat pour, on va dire, le mettre le plus haut possible. C'est fini la Ouais. Farmers League maintenant, Ibou. On parlait il y a quelques mois, quelques années de la Farmers League. C'est fini, ça. La Liga va rouler sur l'Europe, on est d'accord. J'espère, en tout cas, les clubs qui sont, par exemple, en Champions League ou en Europa League, ils montrent un très beau visage de la France, et j'espère que ça va continuer comme ça. Depuis tes débuts au Racing, enfin depuis ton arrivée, qui sont synonymes aussi de tes débuts en Ligue 1, c'est qui le joueur ou l'équipe qui t'a le plus impressionné? Ou que t'as vraiment donné du fil à retordre. C'est Paris, hein, je pense, hein, vraiment, ils nous ont. Ça a été, surtout la première année, on va dire, que j'ai joué contre Paris, ça a été vraiment difficile. Ils nous ont beaucoup fait courir. Ils nous ont beaucoup fait courir. Et ouais, c'est une équipe, Neymar, Mbappé, que des grandes stars dans cette équipe. Donc c'est vrai que ça n'a pas été facile contre eux. Et un Neymar, milieu quand il... peut-être un peu moins renommé à la TJ Savanier peut-être, ou Camavinga Ah si t'as joué contre lui. Mais moi, TJ Savanier, je l'avais déjà joué en Ligue 2, en fait. Quand Oui. j'étais avec Brest, quand il était à Nîmes, j'avais déjà joué, c'était déjà impressionnant. Vraiment, il est vraiment très très bon. Il a les deux pieds, il est très technique, il garde bien le ballon, il joue toujours proprement, il trouve les joueurs dans les bons espaces. C'est vrai que ce week-end, ça va pas être facile contre Montpellier en Coupe de France, mais en espérant faire un très bon résultat. Avec un Alors, joueur reste désormais. dans les rangs montpelliérains qui s'appelle Florent Mollet, qui brille particulièrement contre le Racing en plus. C'est vrai, mais ouais, c'est sûr que même lui, hein, même si cette année on entend peut-être un peu moins parler de lui, c'est toujours un très très bon joueur. Hein. Donc votre Bon, mission, ça va être de le stopper. la mission première sera surtout de nous qualifier, on va dire. C'est vrai. De vous qualifier et le stopper alors. Alors, ouais, c'est ça, on va dire ça. Moi, j'ai une question qui n'a totalement rien à voir avec le football. Et puis, comme je suis un peu le chroniqueur terroir, si tu veux, de la cave de papy, où je présente un petit peu les villes dans lesquelles vous allez jouer. Et les tueurs à gages. Et les tueurs à gages. Accessoirement, ça, c'est mon côté un peu fou. Je voulais savoir, quand tu es arrivé à Strasbourg, comment tu t'es acclimaté à la ville? Est-ce qu'il y a des. Bah, est-ce qu'il y a, tu t'es, t'as tout de suite, t'es tombé, tout de suite tombé amoureux de cette ville tu vas me dire la cathédrale, probablement, mais est-ce qu'il y a d'autres. D'autres choses, comment tu t'es acclimaté à la ville en fait plus généralement? Oh, moi, je trouve que c'est une ville plutôt belle ville, hein. Il y a une bonne ambiance, les gens, ils sont plutôt sympas.
Après, moi, on va pas, je vais pas vous mentir, moi, je suis pas un monsieur qui sort beaucoup dehors, qui va se balader en ville, même si je me suis baladé, je connais bien quand même la ville de Strasbourg depuis le temps que je suis ici. Mais sinon, ouais, je suis là, je sors de temps en temps, on va dire ici. Je vais dans les endroits qui sont le plus connus, hein. Je vais faire mes courses quand je veux faire des achats un peu en ville. Ouais, la place, elle est pas mal aussi, surtout pendant Noël aussi. Tu vas au shopping promenade à Vendenheim avec Frédéric Gilbert et son épouse? Non, mais c'est vrai que je suis déjà allé aussi. C'est nouveau et c'est pas mal aussi. C'est bien pour faire son shopping, pour se balader aussi. C'est pas mal. Après, lui, il a des enfants, donc c'est plus simple pour lui. Après, on ne te pose pas la question pour que nos suiveurs, nos nombreux suiveurs, te suivent partout et te demandent des autographes ou des maillots, comme Racing Scope a pu le faire. Mais d'ailleurs, Ibou, l'affiche que je t'ai montrée quand tu m'as donné le maillot, est-ce que tu l'avais déjà vue avant en te baladant dans Strasbourg ou pas du tout? Non, pas du tout. Pareil, je suis un peu deg. L'échec de la propagande. si tu veux, j'en ai une dans une chambre qui traîne, si tu la veux. Pas de souci. Ça peut être un beau papier peint. mais ça l'est depuis 2 semaines. Hein. Chez moi, ça l'est. Thomas, tu avais des questions supplémentaires pour notre cher et tendre ami. Peut-être voir encore avec lui s'il y a un endroit en particulier à Strasbourg qu'il affectionnait plus qu'un autre. Est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce qu'il y a un parc que tu aimes bien, une rue que tu aimes bien, je sais pas. Enfin, est-ce qu'il y a un endroit où tu te sens particulièrement bien? En dehors du stade de la Méno. Ouais. Est-ce que tu connais les parcs, tu connais l'Orangerie, la Citadelle, ce genre de trucs, ou bien t'as jamais fait? L'Orangerie, c'est plutôt beau. Ouais, si, j'aime bien l'Orangerie. Je suis allé quelquefois avec ma famille, mes neveux, quand ils sont venus. C'est un bon parc, j'aime bien aussi. Bon, après, j'aime bien aussi le centre commercial, là où il est pas loin de l'UGC, je crois. Ouais, c'est le Rive Étoile. J'aime bien aussi ce côté-là. D'accord. Comment ça s'appelle, vers Gutenberg, tout ça, là aussi c'est pas mal. Gutenberg, il y a une question pour toi dans le chat que je trouve absolument exceptionnelle. C'est Stéphane Bruckner qui demande si tu prévois de demander une mesure d'éloignement contre Racing Scope. Non, jamais. Ah ben voilà, ben merci. Mais vous êtes pas gentil dans le chat là, hein. C'est pas... Voilà, comme ça, Stéphane, t'as ta réponse. Ibou et Scope continueront de se côtoyer par tribune interposée, voilà. Ouais, par tribune interposée, il y a quand même une fosse entre nous. Une fosse de 4 mètres, voilà. Ouais. Messieurs, il est déjà l'heure de se quitter, c'était une émission incroyable et exceptionnelle. Merci Ibou de ta présence. Merci à vous pour ce bon moment, j'ai beaucoup apprécié et j'espère que votre émission va continuer à faire des malheurs encore et bonne continuation à vous. Si on peut faire du bonheur plutôt que du malheur, c'est pas mal quand même. Et puis maintenant, tu n'as plus aucune excuse pour ne pas l'écouter après les matchs. C'est ça. Ah, je plaisante. N'hésite pas à faire écouter le podcast dans les vestiaires en bruit de fond sur une enceinte Bose. Ok. Et oui, merci du coup à toi Ibou, à Jean-François Termoz et au club d'avoir accepté la demande. On sait que c'est pas facile de solliciter des joueurs en pleine saison. Donc vraiment merci, j'insiste. Merci beaucoup. Guillaume, si je peux couper là-dessus. Vas-y. Ouais, si je peux couper là-dessus, parce qu'en fait, ce qui était peut-être un peu difficile aussi pour organiser tout ça, c'est qu'on est en direct, donc il peut y avoir des dérapages. On est un média pas forcément connu et tout. Et donc merci encore une fois au club et à toi, Ibou, de nous avoir accordé la confiance, parce que je pense qu'on a réussi l'exercice, honnêtement. Il n'y a eu aucun souci, c'est parfait, vraiment. Là, voilà, bien aimé, donc voilà. Merci et... Jean-François, et à nos longues heures passées au téléphone. Et du coup, Ibou revient demain. Demain, même endroit, même heure. Donc, c'est tous les jours. Non, juste après les matchs. Ah, c'est juste après les matchs, ok. Ouais. On a fait une exception pour toi. On nous a imposé une date, on a dit c'est bon. Merci, alors.
Maintenant, il y a le space ah, aussi. Tu peux venir si tu veux. Oui, n'oubliez pas, pour nos suiveurs sur Twitter ou sur YouTube qui ont un compte Twitter, on va lancer un space dans la foulée pour un peu débriefer ensemble en libre antenne. Déjà l'entretien avec Ibou, la discussion plutôt que l'entretien et aussi la performance du Racing sur cette phase aller. Mais je ne conclurai pas non plus sans adresser un petit mot de sympathie pour Julien Stéphan en lui souhaitant de prompt rétablissement, même s'il est asymptomatique, qu'il prenne soin de lui, de son entourage. Et puis les joueurs sont entre de bonnes mains avec son staff. Voilà. Et puis peut-être remercier les chats aussi, Facebook et YouTube. Qui a été avec nous ce soir. Merci au chat, alias le PMU du coin. Merci à Facebook, YouTube. Et on se retrouvera, comme d'habitude, dès l'année prochaine, dès le mois de janvier, pour débriefer peut-être le match de Montpellier, s'il se joue et s'il est visible, surtout à la télé. D'ici là, prenez soin de vous et ne se faites pas trop de bêtises à Nouvel An. Ok, merci, bonne fête de fin d'année. De même. Merci. Ciao. Allez, ciao les gars.